Bravo! Ah, tu m'as vraiment remarquable. Ah, alors? Magnifique. Vous avez une voiture? Oui. Merci. Il y a longtemps que je n'avais pas eu une telle émotion. Merci, mais c'est grâce à lui. C'était superbe, superbe. T'avais raison. Oh, je suis si contente. Régine, tu veux bien prendre mon violon? Je vais rentrer avec Stéphane. Mais, on va tous dîner ensemble. J'ai réservé. Je sais, mais... non. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je te fais confiance. Camille, est-ce que tu sais ce que... Mais oui. Allez, tout va bien. Quand je l'ai enregistré avec Barbizet, nous n'avions droit à aucun accord. Je l'avais jamais joué comme ça. Hier, je l'ai repris 3 fois, c'était bien, mais toujours plat. Et là, ça allait vite, je me sentais portée. Mais vous l'avez tenu jusqu'au bout. Ça me semblait facile. On va prendre un verre quelque part, non? Oui. Vous avez une idée? On verra. Un bar d'hôtel. Rouler. C'est pour vous que je l'ai joué. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? J'ai parlé à Maxime. De nous. C'était difficile. Il m'a écouté. Je lui ai dit ce qui nous arrive. J'ai envie de vous. J'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise. Voilà. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps, fermé. Ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Camille, vous êtes belle, rare. Vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons qui vous encombrent presque. Alors, puisque je suis si parfaite. Mais vous vous trompez. Vous voulez absolument que je sois comme vous l'imaginez. Comme un autre. Mais je ne suis pas celui-là. Arrêtez de vous mentir. C'est tellement simple. Je dois vous dire la vérité. C'est vrai que j'ai voulu vous séduire, sans vous aimer, par jeu. Sans doute contre Maxime. Je l'avais décidé. Mais on ne décide pas les choses, on les vit. Vous ne comprenez pas, Camille. Vous parlez de sentiments que je ne ressens pas, qui n'existent pas. Je n'y ai pas accès. Je ne vous aime pas. Je sais... Parlez pas, s'il vous plaît. Regardez pas.